Au beau milieu d'une vingtaine d'artistes contemporains exposés au FRAC Aquitaine depuis le 19 janvier dernier, des BDistes se cachent. Que manque-t-il aux auteurs de bandes dessinées pour accéder au statut d'artiste ? Il faut qu'ils s'affranchissent de la page, de l'album, de cette industrie culturelle de masse. Dans cette catégorie-là, on est effectivement dans le champ de la bande dessinée. Si on veut être dans le champ de l'art contemporain, alors on est dans le principe de faire des expositions, d'accrocher des œuvres au mur, de créer des parcours avec des œuvres qui traduisent des idées, des histoires. C'est pas du tout la même finalité. Les auteurs de bandes dessinées sont souvent considérés simplement dans le champ de la bande dessinée, puis les artistes sont considérés dans le champ de l'art contemporain. Et précisément, je pense que la frontière peut être assez floue, assez poreuse. Et vous, sauriez-vous reconnaître les auteurs de bandes dessinées ? Dans l'exposition, deux auteurs de bandes dessinées y figurent, à savoir Vinch Luss et David B., qui sont principalement des auteurs qui travaillent en galerie, qui ont des galeries qui vendent leurs œuvres également. Donc je pense que les choses ne sont pas si séparées.